in time. Salut à tous et salut à toutes, c'est Zimpil. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est sur du Dungeon Defenders. Et oui, ça va être le sujet de ma nouvelle série avec Novatiz, qui est membre de la team Interacraft. Et donc voilà, donc c'est un jeu sur Steam, Dungeon Defenders, comme vous pouvez voir, avec plusieurs DLC. Ce qui est vraiment pas mal, donc perso moi je l'ai eu pour 2,99€, enfin Novatiz m'a offert, bref. Et parce qu'il est en promo, donc voilà. Très bon jeu, hein, je tiens à dire. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et tout, et puis voilà, et après on va se quitter là-dessus, puisque je vais pas tout vous dévoiler non plus, puisque le sujet de mon prochain personnage, vous le saurez plus tard. Donc ça c'est un moine, ça c'est une chasse, une chasseuse. Bon, donc là il y a l'apprenti par exemple, là il y a l'écuyer, la chasseresse, voilà, et le moine. Et après ça c'est pour les DLC, voilà. Retour Zenpil sélectionné, oui, ils s'appellent tous les deux Zenpil. Commencer, partie rapide, connexion à la partie. Oui, donc il y a aussi deux serveurs, donc le Steam Workshop, donc qui est accessible à tout le monde, enfin accessible à tous ceux qui ont le jeu, donc. Mais on peut pas débloquer les achievements, il faut aller sur le Trenginet. Et donc voilà, donc là, on se retrouve par exemple sur le jeu avec des coffres et tout. Donc très bon jeu, hein, je le soutiens et tout. Là c'est de la lave, on tombe, ben on meurt, c'est logique. Donc le moine, il a la capacité de poser des pièges. Par exemple, je ne sais pas pourquoi. Ça bug déjà. Ouais, en fait il n'y a personne. Et donc du coup les pièges ne marchent pas, voilà. C'est ça, il y a eu un problème de connexion. Voilà. Donc, ce jeu est un jeu indépendant. Voilà, la connexion de l'autre a été perdue. Voilà, on va prendre celui-là par exemple pour rejoindre. Ok. Retour. Partie rapide. J'essaie juste en fait de vous montrer un peu comment ça se passe. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un nouveau micro. Donc ouais, bon, nouveau micro 12€, mais c'est un nouveau micro Carmen qui est vraiment pas mal. Enfin moi je le trouve vraiment bien, accessible à tout le monde et tout. Bref, voilà. Bon, il n'y a personne, on va partir en partie privée. Je crois que j'ai un problème encore de connexion wifi ou un truc comme ça. Ça devrait se régler dans pas longtemps, une fois que j'aurai mon nouveau PC, parce que je vais bientôt changer d'ordi. Vous aurez des rediffusions de live, puisque je vais faire un let's play tout entier sur Zelda, un Zelda, je sais plus lequel c'est, sur la Super NES. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc les chaînes sont en repos, je vous annonce aussi que sur la Zenpil Retro Gaming il va y avoir une nouvelle série qui va bientôt démarrer. Oui, quand je dis bientôt c'est très 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 bientôt, genre d'ici 2-3 jours. Sur le train donc du rétro avec un nouveau jeu. Donc voilà, j'espère que vous verrez ce, que vous allez la suivre et vous allez l'aimer, parce que on a eu du mal à choisir et on a finalement choisi ce jeu là avec peu de playthrough. Je crois qu'il y en avait 3-4, non même pas 2 avec pas mal de vues, mais ouais, pas mal, sans que ça soit pas mal quoi. Ouais, ça a monté à 300 000 vues, mais ça date. Donc voilà, et puis
mon pote il a dit je vais quand même essayer, je vois pourquoi j'essaierai pas. Je lui ai dit t'as raison, essaye. Donc voilà, donc là c'est mon moine que vous voyez. On peut balancer des éclairs avec le clic droit, clic gauche pour frapper. Voilà. On a des coffres à chaque manche. Parce qu'il faut savoir qu'il y a enfin un manche ou vague. C'est comme vous voulez, c'est la même chose. Novadis disait que c'était la même patte graphique que Borderland. Je ne trouve pas, parce que du moins je ne vois pas ce que ça pouvait être. Allez, esquive, vous voyez, c'est. Ce jeu est très simple. Enfin, très simple, oui et non. C'est bon là, non? Toujours invincible. Voilà. Casse-toi maintenant. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis on se retrouvera donc pour le prochain épisode qui risque d'arriver dans pas longtemps donc aussi. Allez, à plus tout le monde. Putain, je suis en train de me faire tuer. Ciao.